Après plus de 2 mois de recherche, ce pitbull volé retrouve les bras de son propriétaire. Jusqu'au coup de fil inattendu d'un refuge de Caroline du Sud, Dara Prak était sans nouvelles de son chien Titan, disparu en mars dernier. Le pitbull avait, semble-t-il, été volé et son propriétaire n'avait jamais cessé de le chercher. Un habitant du Texas a pu récupérer son chien qui était introuvable depuis plus de 2 mois, comme le rapporte ABC13 et Eyewitness News. D'après Dara Prak, son pitbull prénommé Titan avait disparu en mars dernier alors qu'il se trouvait dans le jardin arrière clôturé de sa maison. Il n'avait retrouvé que son collier. Pour lui, il ne faisait aucun doute que quelqu'un avait volé son compagnon à quatre pattes. Dès lors, l'homme s'était mis à sa recherche et n'avait jamais perdu espoir. Il emportait toujours son collier et sa laisse dans sa voiture au cas où il le retrouverait. Finalement, la semaine dernière, Dara Prak a reçu l'appel téléphonique qu'il espérait tant depuis ce fameux jour. À l'autre bout du fil, c'était l'employé d'un refuge animalier situé à Granville, en Caroline du Sud, à près de 1400 km de là. Son interlocuteur lui a annoncé que son chien venait d'être récupéré par le refuge après avoir été découvert marchant le long d'une route, blessé et affaibli. Il aurait vraisemblablement été maltraité par quelqu'un ou attaqué par des animaux. Heureux et soulagé, Dara Prak a effectué le long trajet de 16 heures pour se voir restituer son fidèle ami. Il l'a emmené chez le vétérinaire où il a reçu les soins nécessaires pour ses blessures, puis tous deux sont rentrés au Texas hier mercredi.